Henri Chan accompagne ses clients dans la maîtrise du projet avec tous les acteurs de la création, l'architecte, l'entrepreneur, le service technique et le commercial. On les aide tout au long du parcours, de la signature au financement, à la mise en place, au rendez-vous de chantier associé. Pour ce genre de création, il y en a beaucoup. Jusqu'à l'installation et au-delà, avec le consommable qu'il doit y avoir dans un cabinet quand on l'ouvre. Ce qui différencie Henri Chan, c'est nous, déjà, les commerciaux. On n'est pas seulement des commerciaux d'équipement, on est des commerciaux Henri Chan, full service. On peut aider nos clients sur différents sujets avec juste notre fiche de contact Henri Chan. On peut l'aider sur son projet de création, on peut l'aider à avoir les fournisseurs et les fabricants des produits qu'ils sélectionnent, des matériels aussi qu'ils sélectionnent. Et on peut l'aider aussi par le support technique et également par tout ce qui est organisation et visibilité aussi par la suite de leur cabinet. Les particularités de cette création, c'est un client tourné vers les nouvelles technologies, du coup ce qui nous a amené à avoir des équipements haut de gamme de la CFAO, à savoir le CEREC ainsi qu'une imprimante 3D. Les particularités de la configuration de ce cabinet, c'est qu'il est assez grand. Donc en fait, on se retrouve avec 4 salles de soins et une salle de chir. Le rôle du technicien dans la réalisation et l'installation d'un cabinet, c'est de pouvoir accompagner le client et l'architecte de façon à ce que tout soit bien coordonné et qu'on puisse rendre un chantier en temps et en heure au client. L'expertise d'Henri Chan dans ce domaine, c'est d'avoir des techniciens spécialisés sur les marques que l'on installe. Et comme nous faisons des formations en continu auprès des fabricants, nous sommes experts sur ces marques. Suite à la livraison du cabinet aux praticiens, entre la garantie fabricant et nos contrats de maintenance que nous proposons, nous intervenons assez rapidement. Il arrive même parfois que l'on fasse du dépannage par téléphone quand c'est des petites pannes qui peuvent être réparées par le praticien ou l'assistante. Sinon, on est amené à se déplacer suivant le degré d'urgence de la panne. Et nous proposons aussi une hotline pour la CFAO et l'informatique.